But he had a habit of 3 days of seven to wander off so away from her bed. The wife cried and pleaded, "My husband, you cheated, but be fair and tell me truths I well guessed." He struggled to answer, but she was so pretty and proper, he thought to confess. Why he mustn't tell the soul in the woods, I take my clues off. Why he mustn't tell the soul, I can pray like anywhere. Well, why he mustn't tell the soul in the woods, I take my clues off. Why he mustn't tell the soul, I can pray like anywhere. Well, darling, just trust me and no one will know it, that you are the one to steal hubby's clothes. She said to the knight she took as a lover, who did as she asked that night in the dark. The werewolf, the beast, thought that he'd stay forever, but to his good fortune a lord hunted by. The werewolf rolled over, played dead to his master. What a sweet werewolf to have as a a banquet months later and hosted the knight who were left with a bitten off leg. "My golly," the lord said, "what unsettled business exists between him and my gentle pet?" The lord sent for the knight again. To his castle he went with his lover who brought hubby's clothes. But as soon as the werewolf was brought forth to meet them, he bit her nose off and she bled and she bled. Remember. Why he must not tell the soul in the woods, I take my clothes off. Why he must not tell the soul, I can pray like anywhere. But why he must not tell the soul in the woods, I take my clothes off. Why he must not tell the soul, I can pray like anywhere. What
he kissed him. J'étais perdu dans les arbres. Et puis après, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient vu des chauves-souris. Chauves-souris? Ils avaient vu des crocodiles, des hippopotames, des girafes. Ils avaient fait un très long voyage. Et ils n'ont même pas pris le train. Et ils ont vu un crocodile. Ils avaient vu des grenouilles, des boîtes avec des animaux qui sont pauvres et qui trouvaient plus leur chemin. Des gens qui voulaient emprisonner les animaux qui sont pauvres, qui n'avaient pas à manger, qui ne pouvaient pas payer. Ils étaient dans les arbres qui sont terribles, avec des hippopotames, des hippopotames, des crocodiles, des monstres, des fantômes qui roulent à sauter dans les arbres très haut. Et puis il a vu les singes. Mmh. Et il a attrapé avec sa main. Mmh. Et puis il a redescendu avec les singes. Et ensuite, Tigrou et Winnie l'ourson, ils allaient dans les bois pour trouver des fraises. Mais la sorcière ne voulait pas du tout, parce que c'était ses fraises à elle, qui sont bagrées. Et c'est le loup qui a gagné. Et puis, c'était lui le roi, il avait un casque, une épée, et comment on dit, là où on se protège. Un casque, un bouclier. Un bouclier et des pouvoirs magiques. Et ensuite, ils ont vu plein de choses, il était très joli. Il y avait des fleurs, le soleil, les nuages. Il y avait plein de choses, mais il y avait quelque chose qui cloche, c'est qu'il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et puis quand on était dessus, ils sont réveillés et mangé les bébés.